Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, il est tard. Il est assez tard quand même. Donc, du coup, je fais cette vidéo-là. Donc, c'est Turoit Banite. Je me mets comme ça parce qu'on va pas en voir. Turoit Banite. Donc, ça va être un truc très intéressant. On va voir. Bon, bien sûr, il est tellement tard que l'éclairage public, la moitié s'est éteint. Ça, c'est souvent dans les petites communes comme ça. L'éclairage est à moitié éteint. Donc, on va découvrir des trucs très intéressants. Donc, de la BF, bien sûr. Donc, qui a moitié allumé, moitié éteint. Et on trouvera d'autres trucs. Donc, on verra la SHP qui est en 250 watts et tout ça. Donc, on verra tout ça donc, en image. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, hop, ça, je mets ça là. Hop. On peut le voir. Minuit 30, 13 degrés. Bon, vous allez voir, de toute façon, l'éclairage est à moitié allumé. Hein. Bon, comme je vous avais dit, donc du coup, c'est con, j'aurais bien voulu vous montrer tout en BF. Mais la moitié est complètement éteinte, donc c'est chiant. D'une commune comme ça éteint, la moitié éteint parce qu'on n'a pas trop l'occasion de voir ça. Donc du coup ça tombe bien parce que justement la VM2S et la VM que je voulais juste te montrer justement elles sont allumées. Alors, du coup ça vaut le coup. Ah, pour info, là, c'est de la 250 watts. Hein. Hop, je vais mettre mon scout sur la béquille. Et en plus, mon scout, il recule comme un gros con. Voilà. Donc. Et là, il n'y a plus de vent à des cornets cocus, donc ça tombe bien. Voilà ce que ça fait de la 250 dans une BF, dans une lanterne BF. On va essayer de ragrandir, voir si ça fonctionne. On va essayer, bien sûr, c'est pas du sûr, mais on va essayer. Non, on voit pas l'optique, c'est con. C'est con parce que je voudrais montrer l'optique. Moi, c'est une VM2BF qui est éclairée en SHP. Et l'autre côté, donc qui est là-bas, ça paraît pas. Hein. Ça, ce qui est éclair là, c'est la 250 watts en SHP dans une BF. Et la même puissance dans une VM2S. Bon, il faut penser que la lampe aussi n'est pas neuve. Il faut pas non plus poser popole. Mais voilà ce que ça donne. Le flux est plus rétréci. Déjà parce que déjà la douille n'est pas réglée. Si la douille là elle est réglée par contre. Ah non, bah c'est laquelle? Ah merde, je croyais que c'était celle-là qui était. Ah si, c'est celle-là en BF. On est SHP. Alors je vais essayer bien sûr. Et non, je peux pas vous montrer de toute façon. Vous verrez les photos. Vous verrez les photos de toute façon de ces luminaires-là. 2 hours later. J'ai coupé. Donc comme je vous disais justement. Donc voilà, donc là. Je voulais rétrécir la vidéo, la caméra. Et comme un gros FDP, je coupe la caméra. Donc il y aura du montage à faire.
Donc voilà. Donc c'est le modèle là, on essaiera de les récupérer bien sûr. N'essayez pas de faire trop de bruit parce qu'il est quand même minuit passé. Donc là. Bon ben voilà. Donc j'espère que la petite vidéo de la Two Road by Night, la première vidéo de Two Road de nuit. Donc bien sûr, excusez-moi si la moitié des lanternes sont éteintes, hein, j'ai pas fait, c'est pas de ma faute. Donc on se retient au jus pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude le grand classique. Hein. Bah fais pas faux. Hein.